L'armée République Dominicaine, mesdames, messieurs, rentrer sous territoire. Peuple haïtien, je dis, monsieur, ça fait un coup de respect. Pour plus petit, il y a plus passé 200 garçons qui débarquent, viennent faire l'obéi dans Wanamet. Mesdames, mademoiselles et messieurs, mes frères et sœurs, amis, soldats dominicains, yo, monsieur, yo débarqué en Zouplending, en gros vaisseau, exam de guerre en main, yo, dans le code de vie, Wanamet, sous territoire, pays d'Haïti. Eh bien, monsieur, yo vini faire l'obéi. Qui sacrifie? Pour qui ça, monsieur, ça yo, yo pas joué dans leçon par rapport à Jean yo campé. Nous avons une image, nous avons saisi. Ou après, comment est-ce que vous avez et vous débarqué, c'est ça que vous oubliez ou pas fait. Faites confiance, bilan n'est pas trop belle. Bien que, le gouvernement Ariel Rien et M. Saha, et président dominicain, M. décide en quelque sorte, M. Saha, Antonio, pour ne pas quitter bilan après la rue. Mais, c'est bien compté, mal calculé, parce que moi-même, j'aurais l'aime. N'est qu'à faire causer. Quel que soit l'information, je vais le chercher. Je vais porter le barou. Et là, je vais porter le barou. C'est comme quoi, vous avez gardé le couillon télévision. Bonjour, bonsoir pour nous tous. Nous tous menacés. Nous tous avons un gros problème. Haïti en danger. Oui, c'est un signe de guerre. Oui. Qui ça nous prend la vie et qui ça nous prend le fait? Je vais vous faire une vidéo, je vais finir. Et m'bal tout qui conséquence ma bobi lan tout. À propos de dérive qui arrive et dans Côte de Ville, et dans le moment ça, force de l'ordre en Haïti, c'est censé insuffisant. Et dans le moment ça, nous sommes capables de constater que l'armée dominicaine lui-même a envahi Côte de Ville. Envahi, non, Ariel Bala. Et nous avons un chef de sécurité qui a savoir de Rafael Gonzalez. Et dans le moment ça, nous sommes capables de garder l'armée dominicaine non, et envahir, rentrer sous sol sous territoire haïtien. Et dans le moment ça, là, que nous-mêmes avons constaté ça, et son bagage que nous-mêmes nous partageons, souhaité pour qu'il arrive fait, je ne dis avec gros âme à la main, et nous sommes capables de constater que l'armée dominicaine non, lui-même est arrivé envahi et Côte d'Ivoire dans le moment ça. Bon, c'est un bagage que la population n'est pas jamais capable. Et bon, Zama basculé, nous pouvons connaître si pas bien de rive. Et Zama basculé, l'armée dominicaine envahie dans Côte d'Ivoire à propos de toutes les dérives qui arrivent faites. Et son bagage que nous-mêmes nous sommes capables de constater. Et nous sommes capables de constater sur tout le monde qui vit là. Et nous regardons là, ça c'est Zama qui a déclenché là, c'est dominicain. L'armée dominicaine et qui envahit là dans Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire qui trouve sous territoire haïtien. Yo. Et là, dans le moment ça, force de l'ordre dominicain arrive et envahit. Et territoire haïtien. Et dans le moment ça, nous avons regardé, après, les armes qui ont tiré, la balle qui ont tiré, c'est l'armée dominicaine, non? Et l'armée dominicaine a tiré, et ceci, nous pouvons regarder, et nous pouvons vivre ça, nous avons fait tout le monde, tout le plus balle qui a pété. Et on peut le tirer, fait. Là, nous sommes capables de regarder, là, toute balle nous tendait. Tout bruit nous tendait là, et nous-mêmes nous couchons. Nous couchons rassol, c'est l'armée dominicaine, non? Et l'armée dominicaine non, qui envahit. Et l'armée dominicaine non, envahit le pays, en pile balle à péter. Et nous, sur les liens, nous sommes capables de faire nous vivre ça. Et nous sommes capables de faire nous vivre ça. Et l'armée dominicaine non, là, sans pile balle qui a pété là. Sans pile balle qui a pété, si nous regardons tout le coup qui a fait, nous regardons en pile balle à péter. Et nous sommes capables de vivre ça. Ça m'a basculé. Gaz a tiré, balle a pété. Mesdames, messieurs, vous entendez et regardez la vidéo ça. Et Mabdoul fait Wanamet. Et
on a maintenant, c'est que c'est un espace qui pratiquement, mesdames, messieurs, t'as dit, son zone qui a un paquet d'entreprises entre Dominicains et Haïtiens. C'est-à-dire, Dominicains ont une entreprise par yo, et pratiquement Haïtiens ont une entreprise par yo tout. Donc, qui est-ce que tu viens arriver? Et donc, mes frères et sœurs, amis, ça vient poser problème. Et nous tous, pral connaît tout. Nous avons dit, qui meilleure forme, nous sommes capables de prendre, nous apprendre à comprendre le business. Chaque Haïtien, yo, ou bien business, chaque Dominicain, yo, qui type de monde qui travaille là-dedans, qui fréquente là-dedans, et qui s'est appris là-dedans. Mais maintenant, pourquoi et qui ça t'a empêché que tes bon pensées absurdes qui dérivaient? Mes frères et sœurs, amis, alors on dit ça bientôt. Monsieur yo nan wana met genyen yon entreprise que yo mette campé depuis quelque temps. Mais qui t'aime dit nous entreprise ça, li pratiquement c'est une entreprise qui a desservi non seulement Dominicains, qui a desservi tout quelques Haïtiens qui sont qui dans espace là, qui dans zone là, qui gagne de mouvement des bagages qui a fait. Mais pourquoi penser et alerter mesdames messieurs l'armée d'Acadi Dominicaine par rapport à la situation qui a développé? Nous, comme nous connaissons, ville de province, ces derniers temps, ils ont pratiquement trouvé un carrefour, côté que ils ont fait des démarches, ils ont fait des mouvements, ils ont fait des arrangements pour ça, et comment dire, pour ils ont bloqué, montré frustration par rapport avec une situation qui a passé dans le pays. Ok. Mais maintenant, c'est quoi le problème? Monsieur, on débarque aujourd'hui, on dit, fuck, gros changement qui fait. A fait chaque jour, on a travaillé, j'en ouvre là. Chaque temps, nous avançons, j'en ouvre là. Mais on dit, on ne peut pas prendre ça dans la main, mon yon encore. Et le fait que on dit, on va prendre, bah, la vie, on dit, j'en, monter tête, on et permettre que nèg yo relé base qui tout près à mesdames messieurs et on dit nèg yo fort yo voyez secours. C'est ça journal les Sidiario expliqué dans article sorti sous ça passé sous frontière ou à la mettre là. Mais maintenant écoutez, c'est presque anormal pour ne pas dire dans l'impossibilité pour que gagner un groupe nègre ou gagner un nègre qui fait un choix, qui font des manches pour que pour l'armée intervenir, l'armée vient intervenir pour que yo vini seulement parce que yon ti désordre qu'a fait. Jamais. C'est quand il y a ce qu'on appelle la protection des vies. C'est dans ça l'armée est capable d'intervenir par rapport à ce frontière-là, on bagaille, on fait l'intervention et ça devrait passer par l'État haïtien. Ça veut dire que nous avons une approbation au monde, qui est probablement qu'à approbation Dr. Ariel Henry, qui est capable d'approbation Victor Gédéus, qui est capable d'approbation n'importe nèg dans la société, n'importe monde qui pratiquement. Et a évolué dans le domaine, qui a gardé et qui connaît qui ça va être capable de faire. Donc, il est capable d'approbation n'importe quoi. Mais écoutez bien, qui ça qui dit ou qui ça qui justifie le problème personnel entre la République Dominicaine et Haïti? Écoutez bien. Selon la convention
OK. Selon la convention, on a dit géopolitique ou bien Nations Unies, selon charte ou bien selon moyen, mais c'est défini pour un bandit et pour un l'armée capable d'intégrer ou bien piler selon notre pays, pas bien trois raisons. Que première raison, mesdames, messieurs, c'est est-ce que pays ça a l'in guerre quand même? Si l'in guerre, il y aurait laissé la terre neutre. N'est-ce qu'il y a capé le pays territoire pas ou capé le territoire pas? C'est la guerre, c'est rapport de force. Mais deuxièmement, c'est une collaboration, pour ne pas dire un consensus entre les gouvernements ou les autorités actuelles pour que eux-mêmes yon capable les sol n'importe l'autre l'armée. Donc personne monde pas besoin de fâcher sur dominicain yo, soit les yo violer loi ou 95% des yo joindre approbation monsieur Ariel Henry qui dit monsieur dégagez nous si c'est les trois citoyens nous la pour là courir près non parce que et nous connaissons, peu pas ici, mon qui bat bunda européen, ces derniers temps là, yo chitan encore, Ariel, allez. En tout cas, nous tout profiter, résoudre un petit problème pour moi là, et gardez pour voir comment t'as fait de toi poser. Donc, eh bien, c'est comme ça. Et c'est comme ça, bagalaye. Mesdames, messieurs. Ariel Henry, probablement approbation vidéo mon frère. Pas gain ben caché l'ombrite. Oui. Et dans l'émission, très calme, dit nous possiblement. Oui, n'y a qu'à toujours violer loi. Et n'y a qu'à même toujours pas sous ça. Même sûr. Même certain malheureusement. Il pas comme ça tout le temps. T'as lui dit, il y a une loi aussi simple, aussi bizarre que c'est Ariel Henry qui baille. Donc, Ariel Henry, possibilité, l'armée dominicaine a possibilité pour le faire ça. N'a pas le pays, n'a pas l'Haïti, et moment ça, c'est moment pas nous, matin débat, et voilà. Ok, Loco, la parlé. Et donc, nous pensons que je dis à là, mais c'est des contacts que nous avons fait là pour que nous capables de comprendre exactement ce qui va passer dans le pays. Hein. Nous avons des contacts pour nous capables de garder la situation du pays. Hein. Pour nous garder si. Qui ça a fait à terre là? Est-ce que nous connaissons ce qui a passé là, je dis à là? Il y a des gros médel. Et mais ça, c'est des mains économiques. Moun sa yo, journée aujourd'hui là, gouvernement en place là, l'État haïtien exige de payer droit de douane. Si vous avez payé 800 millions de goudes, journée aujourd'hui là, gagnez là-dedans. Qui paye plus passer 1 milliard de gourdes à l'État haïtien. Moun ki nan lait, moun ki nan du riz, moun ki nan farine. Moun sa yo kap koukouman ti population, moun kap vann sucre, moun kap vann du riz, moun sa yo ki nan économie pays a ki tap fè sa nou relé et entend yo avec un série de moun nan douane nan l'État haïtien depuis les directeurs douane sa vinn là, monsieur dit pas un bagage comme ça. On a tout le monde à payer, j'ai ou de payer. Et moun sa ou nan du riz, yon a l'huile, yon a farine, yon a spaghetti. Yon pas de vle payer douane nan. Gouvernement dit yon faut payer gens comme ça doit. Si n'y a te kon paye 500 millions de goud, 800 millions de goud, eh ben, l'État fait le payer gens de payer, pour n'avoir à payer 2-3 milliards de goud. À l'État haïtien. Et chaque fois, tu viens, ouais. Recette l'État,
vient augmenter 8 milliards de gouttes dans le dernier moment qui se passe là. Next ça s'est passé. Et là vient mauvais coucou. Mais si mas peuple va connaître ça non. Mais c'est moi Esaü César avec le désir matin débat qui pourrait donc comprendre ce qui a passé là. Est-ce qu'on connaît non jour que ça passé là yo, vite l'homme t'en maron. Aïe aïe aïe. Non jour que ça passé là yo, monsieur qui relé l'homme sans joie, monsieur était en déroute. Il fallait les faire reparaître. Parce que nèg ça yo a travaillé pour l'oligarchie. Il y a travail pour des gens qui ont l'argent dans le pays. Mais ça n'oublie pas, c'est qu'il y a la loi du karma. Même si nous-mêmes, dans le secteur privé des affaires, là, nous baillons ça, nous avons tourné contre nous. À moins qu'il y ait un bon Dieu. À moins que baille, le bon Dieu n'a pas existé. À moins que Guinée n'a pas existé. Monsieur Vite l'homme, t'es dans ma honte. Moun Belleville t'a dormi sans qu'elle saute. Moun Vivi Michel t'a dormi sans qu'elle saute. Ti Macaque pas de toute force ça rien là aujourd'hui là. Ti Lapli Iso t'es rentré tête yo. Qui ça noue? Dans dernier moment ça passé là yo jusqu'à aujourd'hui là ça passé. Nèg ça reparaît en grand monde. Journée aujourd'hui là monsieur qui a l'argent dans mes yeux, qui a commencé à dans mes yeux, monsieur dit, pays n'a pas de droit stable. Parce que c'est une instabilité pour l'argent augmenter, pour l'économie augmenter. Peuple haïtien, je vais vous faire comprendre ces choses. Spaghetti a commencé à faire des choses, l'huile a commencé à faire des choses, du riz a commencé à faire des choses, magui a commencé à faire des choses. Mais monsieur, ça a du négatif, il faut comme ça. Faut qu'il y ait instabilité et c'est dans instabilité pour vous prendre plaisir. Vous prenez plaisir. Monsieur qui dans l'huile, qui dans l'être, qui dans la farine, vous connecté avec la politique, vous connecté avec des nègres politiques. Pas oublier, non? Ça va bien longtemps, nous rappeler nous. André Michel te dit, Nenel Kassi te dit, je suis l'ami de monsieur Reynold Dib. Vous rappelez bien? Oui, Reynold Dib, c'est mon ami. Reynold Dib c'est mon ami. Donc mon nèg dans politique là, c'est ami Reynold Dib yo. Faut que pays a gain instabilité pour que économie nèg ça yo plus augmenter. Ça on perdit sous longueur, yo tire dans largeur. Mais un problème non, on est capable bien avec Reynold Dib, c'est normal. On est capable bien avec Edouard Bossan, c'est normal. On est capable bien avec Bidjo, c'est normal. Si c'est pour bien pays a monsieur Sayo, à travail, moi-même personnellement, Esaü César, je ne peux pas comprendre face à non. Mais c'est là que le groupe Nexa a mis tête ensemble avec le secteur politique yo, et puis il y a coucou mon pays. Laissez-le, on va le gagner Esaü César en face. Pas un problème pour André Michel, pour Majorie Michel, bien avec Bossan, bien avec Bidjo, bien avec Reynold Dib, bien avec Lemeuse. C'est normal pour secteur politique, moun nan secteur politique, yo bien avec des moun qui gen l'argent. C'est normal. Mais c'est là que nous mettons ensemble. Et là pour bien pays, le pays n'est pas au menu. Je suis contre. Moi contre que pays ça nous pas mettre le menu, nous seulement ouais, rentabilité seulement. D'ailleurs, moi-même, c'est un nèg qui croit dans l'investissement. Moi, je crois dans l'investissement. Je suis d'accord craser brisé. Population pour le vivre, faut que Reynold Dib baye moun yo travail. Faut que Meuse baye moun yo travail. Faut que Edouard Bossan baye moun yo travail. Faut que les Meuse baye moun yo travail. C'est eux qui ont l'argent dans le pays. C'est eux qui ont investi dans le pays. C'est normal pour eux avoir une sécurité, pour eux fonctionner. Pour que les gens qui sont dans la population, qui sont plus bas niveau, jouent un travail. Depuis qu'il y a investissement, eh bien, tout le monde prend le travail. Tout le monde est capable de petit morceau manger pour manger. Je suis pour l'investissement.
national et international. Même les nèg là ouais qui a terre là cap travaille dans question cap travaille dans question secteur privé des affaires qui pas d'accord l'investissement international et des multinationales viennent investir dans pays là. Comprendre nèg dans secteur privé des affaires là qui pas d'accord multinationales même les affaires en Dominicani de l'autre nation viennent investir dans nos pays. Comprendre nèg ici dans secteur privé des affaires là qui pas d'accord avec ça même. Et ça qui a été couru derrière Laurent Lamotte parce que Laurent Lamotte t'es voulait pour que une investissement international de multinationales viennent investir dans le pays. Mais ils font genre craser pour dans la mode. Parce qu'ils n'ont pas dans ça. Donc, les politiques qui proposent de dire oui, mais dans le secteur privé, horrible. Boudanine, et Paul Tete. Pendant que dit dans la radio, il va dans le secteur privé, il va dénoncer X, il va dénoncer Z, dans le secteur privé, horrible. En bas, il va parler avec eux. Et puis il dit, tu vas bien occuper nous, non? Même si on fait ça à Jovenel Moïse. Dans la radio, yo bâton, yo bâton, yo bâton sur le secteur privé. Qui aime d'avoir un petit point sur le secteur privé? C'est normal pour le secteur privé pour m'entendre ma secteur privé. Je parle dans la radio là. Si le secteur privé n'a pas une publicité dans la radio, comment la radio fait vivre? Mais tout, pendant que le secteur privé a une publicité dans la radio, je suis d'accord pour le trafic. Je suis dénoncé. Je suis d'accord pour la. Pour ne pas le payer droit de douane ni. Je dénonce. Et ça qui est ça, c'est ça. Et ça qui est le débat. Ou le trafic ZAM. Ou va le payer droit de douane. Parce que vous faut payer. Vous allez faut payer douane. Vous faut payer l'argent de l'État. Vous allez au camp de mine. Ou là, vous avez 2 milliards de gouttes. Ou là, vous avez 10 millions de gouttes à terre. Pour créer stabilité dans le monde du gouvernement. Moi, mes amis, je vais faire ça. Laisse ça. Pas yon moun y va dire, oh, ils aillent pour gouvernement, ils n'ont pas gouvernement. Si on ne comprend, ou a baye l'argent pour créer stabilité. Si on base quelque chose parce que yon faut payer droit de douane ou normal. Parce que l'État, faut que l'État vive. Ou de kon paye tant kob, koun y a la ou vin gade ouè, ou a paye tant kob en plus. Et pour fâcher ou mauvais, koun y a lagé quelques millions de gouttes à terre. Pour faire l'obéir. Qu'on a ou vin créer une situation de non-retour. Côté moi-même, on vin y a problème. Pas qu'à voir petit dans l'école. Bon, l'école lundi là, gros paquet de parents, canéo de l'école. Y'a pas qu'à voir petit dans l'école. Gros bon parent, y'a pas qu'à prendre uniforme l'école. Gros bon parent, hein, qui a problème, qui a difficulté de toutes sortes. Jodi à là, pour n'ap vivre dans le pays, nous voyons qui ça pour qui est la jour, qui est la nuit, qui est la journée. Qui ça nous doit faire dans le pays ça? Anniversaire cette semaine qui vient là. Dans bien fêté, dans bien enjoy moi. 5 octobre c'est une date mémorable que moi-même toujours bien fêté. Comment m'a fêté? Même l'André Michel te dit malheureux, pas qu'à fêter. Pas qu'à fête. Mais moi-même, j'ai voulu enjoy, moi-même, j'ai voulu gogman avec deux trois amis. Hein? J'ai voulu faire un bel petit bagaille, j'ai enjoy là-bas, ça, oh, Amdoula. Parce que c'est jour anniversaire, nous. Donc, moi-même, je suis pour l'investissement. La création des emplois à travers tout le pays. Mais pour investissement national. Même pas vrai pour que les gens dans le secteur privé des affaires a concocté des plans pour craser le pays, pour faire gang envahir le pays à plus. Je dis à la, vite l'homme te ferme tête de côté. Parce que le grand commissaire qui est le commissaire Caleb dans Pétionville, monsieur son grand bout d'allié, monsieur pas dans tête avec vagabond, monsieur entre vite l'homme. Pendant 2 semaines, l'obéi en de pays, l'obéi sous l'obéi, bah il cadre pas là, l'obéi, et bien vite l'homme réparé. Pire! Pas de vite l'homme dernièrement là! Vite l'homme tenant marron! Et bah ici! Vite l'homme tenant marron! La police nationale coup cloche à directeur général de la police nationale là, monsieur Franz LB. Monsieur te mette vite l'homme en déroute.
La vie t'a commencé à reprendre quoi des bouquets. Monsieur Katsamaozo a été écrasé, monsieur t'a été allé, et Tomazo. T'a été en tête sous l'homme en 100 jours pour nous prendre, monsieur. Mais qu'on y a là, mais qu'on y a là, chaque guerre, vagabond envahit pays, vagabond envahit pays, nous voyons qui c'est pour nous aller. Hein? Je dis à là, c'est l'obéi sous l'obéi, vite l'homme a mis un policier dehors la caillou, et puis, pas d'esprit de corps. Où sont passés ces agents de la brigade du BLTS? Brigade de lutte contre des trafiquants de stupéfiants. Quoi-t-il, monsieur? Comme si nous quittions. Madame n'a pas invité l'homme. Nous quittons petite policière n'a pas invité l'homme. Comme si nous organisons nous. Nous organisons l'autre, non, monsieur? Comme si nous organisons l'autre pour attaquer vite l'homme. Pas d'esprit de corps. Comme si. Sous l'armée, je me rappelle que je me suis dit que je me suis dit que calotte. Mes amis, maman petite m'a dit maman petite a quitté zone. Tout le monde quitte zone. Laisse te le pays. Je me rappelle ça. Léopard a débarqué. Mes amis, oh! Léopard a débarqué. Le camp des léopards. N'est-ce pas débarqué, Kafou? Tout le monde marron! Ah, il y a d'autres comme ça. C'est un pays. C'est un monde qui respecte le monde. Respecte monde. Fréquence, c'était ça. N'est-ce pas Léopard? N'a pas tel nom, monsieur. Et pas Léopard, non? Il était quoi? Madame Léopard? Madame Léopard, là, monsieur, il était en soufflette. Ah, m'a pas bon menti. Maman petite m'a revente. Zone ta gade, c'est blanche. M'a appelé m'ta y fait. André ta y fait. M'a salué. M'a salué André ta y fait. Et toute famille, alors, m'a salué petit André ta y fait. Et petit frère. M'a salué petit frère. Commandant ancien léopard. Hein? Ancien léopard. Yves, c'est le commandant Yves qui a vécu aux États-Unis d'Amérique. Et laisse ça, moi après me dire, t'as fait des petites lits, on est qui peut mettre des fonds fréquents si avec le bail ça. Ah, tout le monde m'a honoré dans un an, mon cher. Ah, respectez le monde, mon cher. Comme si pour Jean, BLTS, monsieur, pour Jean, qu'on est nous. Monsieur Brio, nous pas faire cela avec BLTS, soit. Et puis nous mettez à sac. Torsel. Comme si, monsieur, nous quittons ça arrivé là. Pour nous permettre de nous permettre de gagner l'odeur. Il y a le crasé qui est policier. Nous sommes un saloperie, monsieur. Comme si BLTS dans tout le pays, nous pas débarquer, nous réunir. Et puis nous ne pas réponse. Bon salope. C'est normal pour ça arriver. Nous quittons, nous avons 5 agents SWAT. Nous quittons en village de Dieu. Cadavre dans le village de Dieu. Bonne salope. Nous pas moun. Agent BLTS. Agent brigade contre des trafiquants de stupéfiants. Si nous demandons Américains, ambassade américaine, moyen, il y a bon moyen parce que nous travaillons. Nous voyons dire à joindre. Si nous faisons requête, monsieur BLTS, à l'ambassade américaine. Là-bas, nous supportons. À moins que l'ambassade américaine n'a confié l'homme avec vite l'homme pour ne pas accompagner nous. L'ambassade américaine est tout prêt à lier. Il y a des employés de l'ambassade américaine qui ne peuvent pas travailler. Avant même de passer pour l'ambassade là, mon ambassade, bon ambassade là vide. Vite l'homme acheter zone dans l'argent content. Monsieur Mbappé, je menti. Vite l'homme, tu es dans ma main. Dernier trou politique, fait vite l'homme ressorti. Jusqu'à ce qu'il permette lui la faire route pour l'entrée Belleville. Nous sommes un vagabond. Moun qui a l'argent dans Belleville. Comme si nous avons moyen de gérer ça. Mais vite l'homme marché pour nous. Bonne salope. Bonne salope. Les titres à la une de l'actualité. Nous tous, c'est Haïti. Ok? Esaïe personnel. Esaïe a une opinion personnelle, il a une conviction personnelle. Il y a une tendance politique, parle.
Jozo Lexidor gen opinion personnelle li, li gen tendance politique parle. Pierre Martin Tatout comme un vieux routier parmi nous parce que li fait plus politique passer nous. Li gen tendance politique parle, li gen opinion personnelle parle. Mais que ce soit Isaïe César, que ce soit Jozo Lexidor, que ce soit moi-même Luko Désir, que ce soit Pierre Martin Tatout, nous gon grain bagaille qui motive nous, qui lie nous ensemble, qui cimente nous, c'est Haïti. Et ou après que Jozo Lexidor respecte opinion Isaïe César, Isaïe César respecte opinion Pierre Martin Tatout, Pierre Martin Tatout respecte opinion Luko Désir, et nous chaque nous respecter opinion nous chaque. Mais entendu, donc la confrontation des opinions, la confrontation des arguments, les fêtes sous table matin débat, les AU qui ont position, le collègue qui ont leur position, Jozo Lexidor qui ont position, Pierre Martin Tatout qui ont leur position, mais c'est la confrontation, donc argument, et bien, des fois, on voit que c'est nous-mêmes qui sommes auditeurs qui font propre jugement par nous, à partir de débats qui ont gagné entre nous, donc sur différents points qui ont rapport avec PIA, qui ont rapport avec Madame Monsieur, donc l'actualité. Bon. Et je dis à Haïti, nous avons un carrefour qui est extrêmement compliqué. Haïti, pays ça, nous avons un carrefour qui est extrêmement compliqué. Et je crois que le débat que nous avons dit dans le matin débat, et bah même quoi, nous avons besoin d'abroutir parce que nous avons dit, et de fait, nous, c'est là-dedans que nous avons dit. Nous avons dit, et de fait, tout ça nous avons dit, il est arrivé. Nous parlons de toute théorie, nous parlons de théorie du complot, nous parlons de théorie du chaos. Nous parlons en fait de situation pays et nous disons que chaque jour qui a passé, la situation a été plus compliquée et que le pire va arriver. Cette semaine, on va pas que m'insister en pile sur le pire qui doit arriver. Effectivement, le pire doit arriver. Et même les gens qui sont dans la question mystique comprennent que Haïti a descendu là, nous presque arrivés dans le bas-fond pour nous frapper, pour nous monter. Parce qu'on est que l'eau descend, c'est même si on prend de l'eau non plus, et puis on descend soit, et puis on descend du net, et puis là, il va en bas, on râler. Et puis le monter. Donc il dit que nous abdescend là, nous presque arrivé dans bas fond et puis dans fond donc pour nous capable frapper pour nous capable monter. Et Marie Saint-Une parce que les jours à venir seront extrêmement compliqués et encore plus difficiles que jodi a donc c'est Marie Saint-Une. Ça va m'a dit nous même qui c'est haïtien, citoyen haïtien. Que ce soit citoyen haïtien qui en Haïti ou bien à l'étranger. Et dans la diaspora en France, au Canada, Chili, Brésil, République Dominicaine, Tchécoslovaquie, donc quel que soit côté nous y a, parce que nous connaissons que sous planète la chargée haïtienne. La diaspora haïtienne, donc, regardez-nous que nous avons une grande diaspora, ok, nous avons pile monde qui pratiquement donc de yon. Et ma parole, c'est surtout à haïtiens qui en Haïti. Si là où qui est dans la ville de Beauvaisio, si là où qui est dans la capitale haïtienne. Dans le cas où nous y a là, c'est là. Énième fois que peuple haïtien a goumé avec blanc. Ça fait énième fois que peuple haïtien a goumé avec international. Ça fait énième fois. Parce que en plusieurs occasions, là nous vivons dans une situation difficile ça yo. Peuple haïtien dit lui-même mais ça veut, il prend position, il dit international là, mais ça pas vle. Et puis ouais que malgré tout l'international, il fait la soude oreille et puis lui impose nous, ça nous pas voulu. Et ça a toujours arrivé, madame, monsieur. C'est malheureux aujourd'hui de constater que le plus grand acteur de cette crise actuellement en Haïti, c'est l'international. C'est malheureux de le dire. C'est malheureux de le dire. Et ça fait mal, c'est douloureux que jodi a, dans ça nous gagne là comme crise, ok, et que plus grand acteur. L'acteur principal, le plus grand acteur de la crise, c'est l'international. Elle dit, Haïti va gagner quel contrôle. Donc les acteurs politiques, la classe politique en Haïti, il est à genoux. Et tout pour nous prétendre donc, le ton de l'international, qui l'international a pleuvé pied et comment l'a pleuvé pied. Donc vous-même qui êtes citoyen haïtien, l'AMD 10 semaines dernières et 7 semaines encore, donc il m'a continué à répéter, c'est un dernier sacrifice que nous sommes en train de faire, madame, monsieur. Effectivement. Son dernier sacrifice pour nous faire. Pour ça n'a vivre aujourd'hui, pour ne pas jamais répéter encore dans le pays. Il faut vraiment nous décider de faire ce sacrifice-là. Il faut un sacrifice seulement pour pousser de Ariel Henry, savoir aujourd'hui à la qui va pas régler dans le pays, non? Mais son sacrifice pour nous
voyons si un clair ban international pour nous dire que une fois pour toutes désormais peuple haïtien a continuer faire genre de sacrifice ça yo à chaque fois que intérêt lesé à chaque fois que intérêt pas sous table madame monsieur peuple haïtien quelque chose côté nous hier en Haïti à Port-au-Prince également au niveau des villes de province Marée Saint-Une en nous fait dernier sacrifice ça. On sacrifice qu'à l'épigramme même dans question de départ en premier ministre. On sacrifice pour nous voir un signal clair par l'international. Et on sacrifice qu'on a fait pendant qu'on n'a pas appris de sacrifice ça. Parce que si nous avons fait aujourd'hui, à chaque fois que nous avons une chance côté que l'intérêt pays a, lui pas sous table, l'intérêt peuple pas sous table, nous avons fait même sacrifice ça. On nous fait un sacrifice. Pour tête par nous, pour pays, pour figure nous. Pour respect par nous. Parce que m'oublie madame monsieur ça qui vit dire c'est là que vous perdez du respect. C'est là qu'on perd du respect. OK? Donc pour respect peut-être pas nous on nous font dernier sacrifice. Li bon sacrifice seulement pour demander docteur Henry qui déclare en bas porte primature. Li pas seulement ça, mais on sacrifice pour nous voir aussi un club international. Et on sacrifice pour nous dire tout que à chaque fois que intérêt pas nous pas sous table là, intérêt peuple là pas sous table là, n'a toujours campé pour nous faire même sacrifice là. Parce que je dis à madame, monsieur, l'international c'est le plus grand acteur de cette crise. International, là, je dis à, il y a une route pour trouver une solution avec le docteur Ariel Henry. Est-ce que le docteur Ariel Henry pourra-t-il faire partie de la solution? Moi, je crois que non. Et on va donc l'analyser tout à l'heure à l'émission Matin Débat. Ça dit que nous n'avons bataille là, et chaque fois que nous arrivons dans une situation là, c'est toujours le même comportement international, toujours gagné. Quel est le monde qui a parlé, qui a dit que. Et du temps de Jovenel Moïse, président Jovenel Moïse te prend 54 manifestations majeures. 54 méga manifestations. Mais ce que je dois vous dire, c'est que Jovenel Moïse, justement comme président de la République, te gagne une opposition face lui. Il te prend 54 manifestations majeures, 54 méga manifestations à travers le pays. 3 mois loc. 3 mois loc, madame, monsieur. Mais c'est différent avec le docteur Ariel Henry. Pas comparer Jovenel Moïse, le temps de Jovenel Moïse, avec le temps que Nadan Jodia et que le premier ministre Ariel Henry Jodia qui l'a, qui va bailler résultat. Ce que vous devez comprendre aujourd'hui, c'est que c'est l'économie, madame, monsieur Jodia. Ok? C'est l'économie, madame, monsieur, qui asphyxie. Jodia, ça beaucoup comprendre que du temps de Jovenel Moïse, c'est vrai que tu es loc, mais. Le pays quand même quelque part a marché, oui. Habitation publique là, t'es ouvert. T'as des manifestations qui l'ont en week-end. Mais habitation publique là, t'es ouvert. Banque t'es ouvert. Quand même l'école y'a t'es ouvert. Ah oui, du temps de Jovenel Moïse, pendant de près 54 manifestations. Hein. Ça a marché, c'est-à-dire. Le pays quand même, à un certain pourcentage, il était fonctionnel. Mais je dis à ce que, non seulement le pays a fermé, il a fermé, madame, monsieur, mais également l'économie l'a asphyxié. Et ça fait matin, madame, monsieur. Je réfléchis en pile parce que y a des gens qui ont fait dans la tête. Papa, il n'y a pas de parler. Mais quand on est à l'arrivée, quand on est à l'arrivée, il y a des positions d'examen dans la tête. Il faut qu'on parle avec. Ça fait matin, je dis que faut qu'on parle à barbecue. Parce que barbecue, pour une grosse responsabilité sous dole. Et c'est ici, dans le matin, je dis, monsieur, c'est deux cas. C'est ou pour faire bac, parce que faire bac, pas faire bac. Si vous pouvez éliminer, il n'y a pas éliminé quand même. Donc, évidemment, que ça soude tout quand même. Ou avancer, Lila, ou pas avancer, la birette. Donc, écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas avancer? Et, il prend décision. Il coupe la route qui mène dans ce plan va. Madame, monsieur, l'autre dit gaz. Gaz sont produits transversal. Et c'est toute économie, je dis, qui a succès par seule cette décision. Par seule cette décision prise par barbecue. Et l'on dit gaz, madame, monsieur, ou dit l'argent, et l'on dit l'argent, gaz, il va gagner un rapport seulement avec les Haïtiens, il gagne un rapport également avec des étrangers. Donc, son gros enjeu, donc son gros épée d'Amoclès qui sous tête barbecue, madame, monsieur. Est-ce que il fait un objectif pour le délivrer, peuple, oui? Parce que je ne vais pas nous mentir, madame, monsieur, j'en parle là, la rue à chaud, manifestation de tous côtés, nous, à ça qui passe hier, ok? Ville la bloquée, barricade tout côté dans le pays. Plus gaz baga distribué dans le pompio.
Son gros sacrifice barbecue a fait. Mais maintenant, est-ce que la fait l'objectif pour libérer le peuple? Pour libérer le pays alors que de Ariel Henry. Bien que lui demande démission à Ariel Henry, et ça fait matin, il me dit que il faut que matin débat parle avec le barbecue. Madame, monsieur, Marie Saint-Une, dans la bataille, nous est là, pas de lâche là, Marie Saint-Une. Ok, sacrifice qu'elle a fait, il n'est pas seulement une question de pour dire à Ariel Henry merci en pile parce que il n'est pas délivré, pas de résultat. Mais surtout et surtout, pour nous dire international là, dans la situation ça là, dans ce qui est là comme débat, intérêt population sous table là. Intérêt peuple pas sous table là. Et depuis intérêt nous pas sous table là, si vous nous faire sacrifice ça encore que nous faisons aujourd'hui, nous pouvons faire autant de fois que intérêt nous pas sous table là. Et là ça, on ne peut pas passer. On ne peut pas passer là ça. Là par exemple, nous faisons sacrifice aujourd'hui, nous venons de résultat ça. Demain, encore nous faisons notre sacrifice, on ne peut pas passer. Par contre, quel leader politique est capable de prendre ça avec nous encore? Pas aucun leader politique qui est capable de faire ça avec nous encore. Parce qu'il connaît que nous avons une manette que nous avons avec nous. Ok? Sous ça que nous voulons, sous ça que nous avons besoin. Madame, monsieur, donc, comme bonheur, pratiquement donc, dans le pays. Ok? Donc, je souhaite que je dis, nous assurer, ok? Nous marrer cette une. Parce que moi, je dis, madame, monsieur, moi, je tente des mounes. Je tente des mounes. Hier, j'ai suivi Laurent Lamothe, l'ancien premier ministre du pays. Qui parlait sur Al Jazeera. Les journalistes ont demandé si vous soutenez en place Ariel Henry, qui soit à faire. L'on a montré clair, il dit journaliste là, la renforcer la police nationale d'Haïti, la passer équipe nationale d'Haïti, et puis la prévoir équipe pour l'armée, ok? Et puis la demander aux Nations Unies un minimum de contingent, ok? Pour venir retirer nous dans ce que nier là. Dès que tout cela après, me décrit l'on a montré pour me dire monsieur, est-ce que non? Dans le programme Nations Unies, il y a un minimum de contingent. Est-ce que c'est pas... On